France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi en ce mardi 27 septembre. C'est le Grand Forum donc qui débarque ainsi avec vous jusque 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner Samira Karoua qui est avec nous. Bonjour Samira. Bonjour. Toujours coaching en développement personnel et organisatrice d'événements. C'est aussi. Ça, tout à fait. Elle est avec nous et tout à l'heure le j'aime ou j'aime pas bien sûr à retrouver. Sans oublier le coup de cœur de Samira, ce sera quoi aujourd'hui? Eh bien, le coup de cœur, c'est dont le titre est une miséricorde pour les mondes. Voilà. Très bien. À 17h, nous serons avec Yasser Wachi, qui fait partie de la team du Grand Forum, puisqu'il revient fraîchement de Varsovie, où il a assisté à un colloque sur les conséquences de l'islamophobie en France. Tout à l'heure, nous en parlerons avec lui. Il sera d'ailleurs au départ pour Berlin demain, donc il est en transit ici à Paris. Et on fera le point avec lui à 17h. Sans oublier la vie tranchée de Samira, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, la vie tranchée, donc le titre est « Silence, l'état d'urgence tue ». Nous commencerons par une citation. « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Une citation de Montesquieu de l'Esprit des Lois. À suivre, donc, tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Voilà, pour donner un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer. Bien sûr, avec Samira Karoua. Et puis, tout à l'heure à 18h, l'ami Amar pour le clin d'œil qui nous parlera de trois citations, lui, qui nous donnera tout à l'heure. De sport, avec bien sûr les ennuis de Serge Aurier du PSG. Tout à l'heure, on l'évoquera avec Ralph Bécheny, la télé, les programmes pour ce soir. Et puis, dans l'actualité, il y a donc Tariq Obrou, l'imam de la mosquée de Bordeaux, qui était invité hier de chez nos confrères d'Europe 1. Il a indiqué hier qu'il fallait revoir à la baisse les pratiques et les visibilités de l'islam en France. On va l'écouter d'ailleurs dans le zapping dans quelques instants. Vous pourrez ainsi nous appeler pour nous donner votre commentaire et ressenti. Êtes-vous d'accord ou pas du tout d'accord avec Tariq Obrou, l'imam de la mosquée de Bordeaux? Nous parlerons évidemment de ce premier débat enflammé donc entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et il s'avère que Hillary Clinton a marqué quelques points au vu du sondage qui est sorti quelques minutes après le débat qui a lieu et qui a été regardé par des millions et des millions d'Américains, une audience qui peut d'ailleurs faire quelques envieux du côté des chaînes françaises. Et puis le chômage, rien ne va plus, le gouvernement et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour François Hollande. Pourtant, ce fut une condition pour se représenter en 2017. La baisse de chômage, eh bien, c'est loin d'être le cas puisque on enregistre plus de 50 000 de chômeurs pour la période juillet-août. Voilà autant de sujets qui vont être abordés avec vous au 08 92 23 99 50 pour nous appeler et accéder donc directement à l'antenne par mail si vous le souhaitez, lgf@francemaghreb2.fr, et puis aussi par le biais du mobile répondeur 06 18 21 56 41. On commence donc par le zapping. C'est parti donc sur France Maghreb 2 pour le zapping, et on est de retour évidemment très très vite. Donc Samira, écoute vous aussi attentivement et on fait le point évidemment sur ce zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur internet, avec ce reportage poignant diffusé dans le journal de 20h de France de dimanche soir, direction Alep en Syrie, où c'est l'agonie, les ambulances surchargées, débordées, plus de quoi mettre dans les réservoirs. Écoutez le témoignage de ce professeur d'arabe en Syrie. La voiture fonce dans cette rue d'Alep déserte, ses habitants demeurent terrés chez eux. Les bombardements du régime et de l'aviation russe détruisent implacablement les zones sous contrôle de la rébellion. 250 000 civils vivent ici. Certains, aujourd'hui, acceptent de nous parler. Hicham est un ancien professeur d'arabe. Son quartier est sous les bombes, des bombes interdites pourtant par les conventions internationales. C'est l'enveloppe d'une bombe au phosphore. Regardez le numéro de série. Elles sont fabriquées en Russie. Et regardez, en dessous, ce sont les traces blanches du phosphore. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni diesel pour les générateurs. Et pour Internet, nous sommes obligés de prendre de gros risques pour remettre les câbles chaque fois après les bombardements. Amer, lui, a 25 ans. Étudiant, il survit avec sa famille et ses voisins dans cet abri souterrain. À cause des bombardements, on ne peut pas rester là-haut. Actuellement, nous sommes 15 adultes, plus les enfants. Tu as quel âge ? 10 ans. Et tu ne vas plus à l'école ?
Non, il y a des avions. Et toi, tu as peur des bombardements? Non, je n'ai pas peur. Sous ces décombres, des dizaines et des dizaines de civils. Les sauveteurs arrivent difficilement dans ces quartiers. Ils n'ont plus d'essence pour circuler. Leurs ambulances sont bombardées. Même désolation dans les hôpitaux. Les blessés gisent par terre, faute de lits. Les bombardements visent particulièrement les centres de soins. L'agonie d'Alep, l'ancienne capitale économique du pays, n'en finit plus. Une agonie planifiée par le régime. L'armée de Bachar el-Assad, dopée par l'appui des Russes, se bat pour reprendre l'intégralité d'Alep. Une offensive terrestre serait en préparation. Reportage poignant donc diffusé dans le journal de 20h de France 2. On va passer à toute autre chose maintenant. Hier soir sur France 2 chez Amanda, Roselyne Bachelot a révélé qu'Hillary Clinton en 1998 lui avait donné un conseil, ne jamais avoir de sac à main lors de ses déplacements politiques. Un conseil que Roselyne Bachelot a appliqué mais en rendant fou furieux ses officiers de sécurité. Elle explique pourquoi. Et au fait, comment je vais faire pour la nounou demain qui m'a qui m'a planté. Et finalement, c'est ça qui nous empêche. Ce sac à main, il exprime le fait que nous ne pouvons pas aller vers les autres, les embrasser, leur tendre les mains, être en liberté dans cette fonction politique ou dans cette fonction professionnelle. Et le conseil d'Hillary Clinton avait l'air futile et il ne l'était pas. Vous l'avez donc appliqué? Je l'ai appliqué aux grandes dames de mes officiers de sécurité, parce que quand j'allais en déplacement, je m'arrangeais toujours pour prendre un sac rose fuchsia ou jaune, c'est-à-dire qu'il y avait un grand gaillard qui était chargé, un policier qui était chargé d'assurer ma sécurité et qui se promenait toute la journée avec un sac rose, avec des petits machins et des petits accessoires. Ça les rendait fous furieux. Voilà pour les confidences de Roselyne Bachelot. Partons maintenant en Belgique, si vous voulez bien, pour écouter la ministre de la Culture belge a violemment critiqué la France suite aux propos de Manuel Valls sur le Burkini. Pour elle, l'Hexagone a mis la laïcité au rang de religion d'État. C'était à la télévision belge. Je vous propose d'écouter un extrait. Alors là, on va surfer alors sur cette fameuse loi sur le Burkini. On a beaucoup parlé en France, en Belgique on est moins concerné, mais on s'intéresse toujours à ce qui se passe en France. Alors est-ce qu'il faut une loi sur le Burkini en Belgique? Ma réponse à moi elle est claire, c'est non. Pourquoi est-ce que c'est non? Premièrement parce que, franchement, l'important, en tout cas la symbolique dans ce dossier, c'est l'émancipation de la femme et le respect de la femme. Alors je vais faire court, mais le Burkini est vraiment une question d'émancipation de la femme. Mais le bikini a-t-il vraiment été une question d'émancipation de la femme aussi? Donc quand on parle de l'émancipation de la femme, est-ce que ça passe par son vêtement? Et alors là, je voudrais aussi qu'on se pose la question de l'ultra-sexualisation des jeunes enfants et de certains qui viennent avec des propositions de miss pour des petites filles. Mmh. Et donc la question d'émancipation de la femme, elle passe par quoi? Elle passe par des associations de femmes. Elle passe par l'éducation permanente. Elle passe par l'égalité de traitement. Elle passe par le droit à faire ce qu'elle a envie de mais faire. Mais pas par l'interdiction. Mais pas par l'interdiction. Mmh. Et donc, s'il vous plaît. Et un autre problème, vite. Oui. C'est que la question du Burkini en France montre aussi les dérives d'un État qui, à un moment donné, ne sait plus comment il s'appelle parce qu'il a mis la laïcité au rang de religion d'État. Et là, il y a aussi une question, des questions à se poser. En Belgique, ce n'est pas le cas. En Belgique, ce n'est pas le cas. Et c'est très bien comme ça. Voilà, c'était donc la ministre de la Culture. Manuel Valls appréciera en tout cas. On écoutera donc Tarek Obrou dans quelques minutes. Ma chère Samira, oui. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans cette première partie de ce zapping? La première partie du zapping, eh bien déjà la situation catastrophique est complètement inhumaine en fait en Syrie avec l'usage du phosphore pardon je trouve même pas de mots tellement la situation est dramatique. C'est ça. Ouais. Et je pense que je comprends même pas qu'au niveau international en fait qu'on soit même pas plus mobilisé pour faire un cesser les combats immédiatement, c'est-à-dire appeler à un cessez-le-feu. Mais vraiment voilà, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, je dirais ça concernant la
la Syrie. Roselyne Bachelot, et ben c'est très intéressant. Ouais. Bon, après ben bon, je me mets à la place de l'agent de sécurité, c'est vrai. C'est sûr que se balader avec un sac rose. Bon, ben ouais. Il faut qu'il assume bien sa virilité. Hein. C'est clair, oui, c'est clair. Absolument. Oui. Oui, et puis ben du coup ben pour la ministre de la Culture belge, je trouve qu'elle est très lucide, posée et qu'elle a des propos éclairés sur ce qui se passe en France et je suis ravie d'apprendre que la Belgique n'a pas l'intention de suivre la France dans ses dérives. Ils ont une autre approche hein, par rapport à leur politique concernant les personnes d'origine. En tout cas, dans leur pays, la politique n'est pas vraiment la même qu'en France. C'est vrai qu'on a une spécificité à la française, malheureusement. Oui, mais pas fait. Dans le bon sens, hein. Mais c'est le problème. C'est le problème, effectivement. Allez, on fait une petite pub et dans un instant, on va évidemment continuer à évoquer différents sujets. Et notamment le premier, c'est celui de Tarek Obrou qui, encore une fois, crée le débat. Il pose, en tout cas, une réflexion et on peut évidemment s'interroger. Alors, être pas d'accord du tout ou alors, pourquoi pas, ou émettre aussi un avis favorable au propos de Tarek Obrou, qui à chaque fois et à chaque sortie dans les médias ne manque pas en tout cas de créer une certaine polémique au sein de la communauté. Et puis on peut regretter, sans aucun lien, l'abandon du projet de la grande mosquée de Marseille. C'est la mairie donc qui a communiqué ça, que bien il n'y avait plus de mosquée. Et encore une fois, d'après nos informations, on peut s'en prendre encore une fois qu'à nous-mêmes. Ce sont là le fruit d'une division sur lequel d'ailleurs parie beaucoup, hein, sur beaucoup de gens parient sur cette division, et elle a visiblement très bien marché à Marseille. Il n'y aura donc pas de projet de grande mosquée comme c'est fut le cas, et le travail a été fait en tout cas depuis plusieurs années, et c'est donc le fruit d'une division incontestable de la communauté franco-musulmane de Marseille, qui donc voit enterrer ce projet de la grande mosquée de Marseille. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum avec Samira Karoua qui est avec nous, qui est coach en développement personnel et organisatrice d'événements, pour commenter l'actualité avec nous. Et on va commencer comme premier sujet aujourd'hui proposé aux auditeurs. Et d'ailleurs, je précise que c'est aussi la question du jour que l'on vous pose aussi sur le Facebook. On va de temps en temps comme ça, quand l'envie nous en prend, poser aussi la question sur Facebook pour vous faire aussi intervenir de ce côté-là sur la page Facebook France Maghreb 2. Alors, c'était hier soir sur Europe 1, chez nos confrères, l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou, invité donc pour parler de tous ces sujets autour de l'islam bien sûr. Et alors, il a eu cette petite phrase, ce petit ressenti ou cette petite analyse. Selon Tarek Obrou, les musulmans n'ont pas le choix que d'assouplir leurs pratiques pour durer dans le temps. C'est ce qu'il a essayé de dire hier. Je propose d'écouter l'extrait, donc sur Europe 1, et on en parle évidemment avec vous. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le prophète lui-même a dit, chaque siècle, l'islam est amené à être réformé. Et donc, ce n'est pas une stratégie, ni une tactique, c'est une opération éminemment religieuse. Sinon, la religion va disparaître tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le matériau le plus résistant, c'est le matériau le plus souple. Si la religion devient rigide, eh bien elle se casse, tout simplement. Donc les musulmans n'ont pas le choix que d'assouplir leur pratique pour pouvoir durer dans le temps. Nous sommes en train de transmettre à nos enfants des overdoses spirituelles et religieuses qui sont mortelles. Donc il faut revoir à la baisse les pratiques et la visibilité de l'islam afin d'entretenir un équilibre laïque, sociétal, parce que ça va se retourner négativement contre les musulmans. Ça veut dire quoi concrètement, réduire les pratiques de l'islam? La question du foulard, la question des... On peut toujours ajuster les choses. Mais qui le fait? J'ai toujours pas compris, pardonnez-moi, mais qui le fait? Bah, les qui imams. Non, mais oui, ouais. Les imams, mais chacun dans son coin, ou il y a D'un côté, la République, la laïcité française accepte l'expression de la religion dans l'espace public à une seule condition. Ne pas troubler l'ordre public. Mais le problème, c'est pas le droit. Le problème, c'est la culture et les mentalités. Parce que, en France, la liberté, c'est pas la liberté religieuse, mais la liberté de se libérer de la religion. Parce que notre laïcité, elle s'est construite contre l'Église catholique. Chez les anglo-saxons, la liberté, c'est la liberté religieuse. C'est les protestants, pour eux, la liberté, ils connotent avec la liberté religieuse. En France, la liberté, c'est
la capacité ou la liberté de se libérer de la religion. Donc tout retour à la religion est considéré comme antinomique à la liberté. Et donc le problème, il est dans les perceptions et pas dans les textes. Parce que la laïcité est venue pour garantir la liberté d'expression religieuse. Avant la laïcité, il y avait le catholicisme qui était un catholicisme public. Elle a été remplacée par la laïcité publique, justement pour permettre aux autres de s'exprimer. Aujourd'hui, on a l'impression que cette laïcité se crispe sur elle-même et qui exclut au lieu d'intégrer. Alors il faut faire quoi alors ? L'éducation. Moi, je pense, depuis le maternel, ces générations sont... L'échec. Moi, je pense que l'échec scolaire est pour beaucoup. Et la marginalisation économique est pour beaucoup. Les gens, c'est pas la religion qui les gouverne, ce sont les instincts. Voilà, Tarek Oubrou, hier, donc, sur Europe 1. Tarek Oubrou, qui est donc, je le rappelle, l'imam de la mosquée de Bordeaux, et qui, à chaque passage dans les médias, nous sort une petite polémique. Hein. Ma chère Samira, qu'en penses-tu de cette réflexion de Tarek Oubrou? Oui, alors tout d'abord, bah, en fait, bon, Tarek Oubrou, je le connais depuis, enfin, je connais ses écrits et sa pensée depuis très longtemps. Et ce que je peux en fait commencer par dire, c'est que il a intégré le mode de communication des médias, le mode de communication aussi occidental, qu'il intègre également dans sa manière de présenter les choses. Le souci, c'est que je ne suis pas sûre que quand il utilise le terme de visibilité de pratique, que ce qu'il entend derrière est la même chose que chez les interlocuteurs à qui il s'adresse. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il y a un problème du choix des termes. Premièrement, il est écouté par des... Ça veut dire, si je te comprends bien, qu'il a des discours qui sont peut-être pas appropriés aux personnes auxquelles il s'adresse. C'est-à-dire qu'il devrait, ce type de discours ou de réflexion, peut-être devrait l'avoir en interne au sein de la communauté, au travers de différentes conférences ou rencontres avec les franco-musulmans. Mais peut-être pas de le mettre comme ça, donc en public, j'allais dire devant les médias, devant les journalistes qui demandent qu'à une chose, justement, c'est ce genre de propos. Oui. En fait, voilà, la communication qu'il y a dans le système là, des grandes antennes, grandes écoutes et tout ça, fonctionne sur un mode de communication qui n'est pas forcément adapté à traiter ces problématiques qui sont complexes, dont on a besoin de nuancer les termes et ce qu'on on entend derrière. Moi, par exemple, quand je travaille sur... J'ai travaillé dans le domaine de la psychologie à la question du rapport du visible au visible et à l'invisible qu'entretient l'Occident et l'Orient. Et rien que dans cette phrase, il faudrait que je vous définisse ce que j'entends par Orient, ce que j'entends par Occident, la question du visible et de l'invisible, pour pouvoir aller plus loin. Je pense que quand on parle de visibilité, il faut savoir de quoi on parle exactement. Ouais. Donc on peut juste me reprocher... Non pas d'avoir des réflexions, parce que tout le monde doit en avoir, et même si ça ne fait pas plaisir à la masse, mais peut-être de ne pas adapter justement ses discours selon les interlocuteurs avec qui il discute. Je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, un travail en interne, je pense qu'il y a énormément, un chantier énorme à faire au sein de la communauté, d'autant qu'en fait il y a vraiment des questions à traiter à l'intérieur, pour faire évoluer également les consciences, faire comprendre également un certain nombre de choses, faire maîtriser les concepts. L'approche qu'il a eue de replacer les choses dans le contexte historique, je la soutiens complètement, et je pense que c'est indispensable. Donc c'est vraiment important de faire comprendre ce qui permet d'évoluer, voilà, donc la France, son rapport au catholicisme, au religieux. Ça, c'est vraiment l'approche de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la question du rapport à l'Occident et à l'Orient, et à la manière dont l'islam s'est construit, son évolution, son apport civilisationnel. Et même quand on dit islam, il faudrait définir, est-ce qu'on parle de son aspect de l'enseignement religieux, parce que l'islam, ça a été également une manière c'est une conception du monde. Il y a une cosmogonie, qui est indispensable en fait pour comprendre le message de l'islam, et la manière dont les musulmans peuvent interpréter et après vivre avec. La journaliste lui dit mais comment ? Et donc là il part voile, donc ça fait partie pour lui. Il trouve que les femmes s'affichent trop avec le voile, avec toutes ces affaires évidemment qui ont fait couler beaucoup d'encre cet été. Et peut-être, selon lui, encore une fois, peut-être qu'il serait peut-être bien de pouvoir un petit peu limiter cette
cette manière. Encore une fois, c'est une prescription, donc ça va être compliqué, difficile. Alors, en tout cas, quand il dit oui, revoir à la baisse les pratiques et la visibilité de l'islam, je trouve. Bah, il fait clairement référence au voile, au voile, au barbe. Et là, en revanche, non, je rejoins absolument pas. Enfin, je pense pas qu'il envisage de supprimer le voile, mais peut-être une certaine expression. Mais sache, Samira, que ce genre de discours existe dans la communauté. Il y a des gens que je connais, moi, aujourd'hui, qui me disent. Moi, je suis d'accord avec ce type de réaction. Aujourd'hui, on est dans une situation critique, difficile, et qui peut peut-être engendrer, d'ailleurs, sur, pour paraphraser un petit peu Alain Juppé, éventuellement sur une guerre civile. Il est peut-être temps d'agir et peut-être de mettre un peu, j'allais pas dire, mais un peu de côté ces pratiques et au travers de ces pratiques, évidemment, la visibilité au travers des habits, sachant que l'habit ne fait pas le moine, ce qui ne fera pas d'elle une mauvaise musulmane. Ça, je fais réinterpréter quelques discours que j'entends autour de moi. Hein. Ce n'est pas mon avis. Après, il y a plusieurs choses. Bien entendu, il y a eu tout un tas de débats de dire oui, est-ce que c'est parce qu'on porte le voile, on serait plus pieuse que celle qui ne le porte pas, etc. C'est complètement faux, d'ailleurs. Bien sûr que non. Il n'y a pas de rapport direct. Mais maintenant, encore une fois, la question du port du voile est une question de c'est une prescription religieuse, et même en disant ça, il y en a qui pourront me dire qu'il pourrait y avoir tout un débat, et encore une fois il appartient au choix de la femme, et exclusivement de la femme, de décider. Et quand je dis ça, il y a eu tout un discours ici en Occident pour dire non, mais les femmes sont opprimées, elles sont sous la soumission, etc., etc. Et donc soi-disant, il faudrait la visibilité de la libération de la femme passerait par l'abandon du port du voile. Et ça, je partage absolument pas cette approche. Ouais. Alors, on vous demande d'ailleurs qu'en pensez-vous de ces propos, de ces pistes de réflexion de Tarek Oubrou, donc qu'il a donné hier sur Europe 1, mais c'est pas sa première, évidemment. Premier commentaire de Nadia sur Facebook, sur la page France Maghreb 2. Ouais. Chavènement sort de son corps. voilà. Et puis on va voir ce qui se passe du côté de Reims, et on va accueillir Swad qui est avec nous. Bonsoir, Swad. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la profondeur de votre réflexion, ça me touche vraiment. Enfin des vraies questions. Enfin, j'ai le sentiment que des idées émergent et une envie de changer les choses émerge. Alors par rapport à ce qu'a dit notre cher imam, dans un premier temps, je pourrais lui dire vous avez raison. Quand on voit le nombre de jeunes filles qui ont été victimes depuis un certain nombre d'années, et quand face à ces victimes, malheureusement, il n'y a aucun règlement qui a été fait, il n'y a aucune justice qui a été faite. Donc à quoi bon? Pourquoi pas? Dans un premier temps, on pourrait dire que c'est la parole d'un phage. Et de là où je suis, je vois malheureusement beaucoup trop de filles qui se font attaquer, qui se font humilier, qui se font agresser, et le mot est vain, et malheureusement, on n'est pas encore suffisamment organisé pour punir ce genre d'action, pour la montrer au grand public, et pour que que justice soit faite, parce que c'est pas vain. Être musulmane en 2016 en France, ça devient une mission dangereuse. Donc, face à ce constat que je dresse de façon, encore une fois, déplorante, et surtout l'absence d'action qui est menée, c'est surtout ça qui me fait mal au cœur, les paroles de ce monsieur, je pourrais les prendre comme sages. Ce qui me fait mal, surtout, c'est que si on s'arrête à cette simple analyse, c'est non seulement imposer lignée une religion, ce qui n'est pas le cas. On a chacun notre façon de penser. En hiver, il y en a qui vont mettre une veste, il y en a qui vont mettre un manteau, il y en a qui vont mettre une écharpe, il y en a qui vont rien mettre du tout. Et après tout, c'est leur droit. Nous sommes dans un pays de droit. Et la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est ce que l'école de la République m'a enseigné. Et apparemment, il va falloir certainement encore régenter cette vieille, ce vieux constat. Ouais. Donc ça, dans un premier temps. Mais le deuxième problème. Ah, il y a pas de mais. Parce que j'ai l'impression que le mais allait arriver là.
Non, pas non. du tout. Bon. Elle est opposée à ce monsieur et je l'inviterai à nous répondre. C'est que le deuxième constat que je peux faire, encore une fois, on ne porte pas de jugement. Je suis juste dans l'interrogation. Le second, la seconde interrogation que m'inspirent les paroles de ce imam, c'est que il est en train de mettre en corrélation la religion face à, aux problèmes sociétaux que l'on rencontre depuis un certain nombre d'années, et il est en train de réduire les problèmes d'acceptation de l'autre que nous nous vivons de tous les jours, voilés ou non voilés, à l'aspect religieux. Et là, mon cher imam, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. La religion n'est qu'un bouc émissaire, encore une fois, le bouc émissaire d'un racisme grandissant. L'islamophobie, quelque part, c'est un racisme contre l'arabe. C'est pas un racisme contre la religion, car notre religion ne nous limite pas, ne nous interdit pas, ne nous empêche pas de vivre pleinement sous notre belle république, dans notre beau pays, la France. Encore une fois, cher imam, venez tous les jours, venez voir ce que nos jeunes filles vivent, venez voir ce que la société nous fait vivre, et au moins une fois, s'il vous plaît, et j'en appelle à tous les responsables religieux, quel que soit leur bord, n'essayons pas de masquer un gros problème social, un gros problème de rejet social, un gros problème de où l'État a démissionné derrière un problème religieux. Bah, en tout cas, ça c'est très intéressant de vous écouter, Souad, parce que quand on parle justement de ce type de sujet, c'est souvent d'ailleurs les hommes qui interviennent pour les femmes, et ça me fait plaisir que ce soient les femmes, donc en l'occurrence concernées, qui réagissent et qui affirment un petit peu leur piste de réflexion, parce qu'on les écoute pas assez à mon goût. Et merci, Souad, d'avoir franchi le pas et d'avoir appelé et de nous donner votre avis qui nous intéresse. Merci à vous, Souad. À bientôt du côté de Reims, 91.3 la fréquence pour nous écouter. Intéressant en tout cas la vie de Souad. Oui, oui, tout à fait. Qui ne rejette pas catégoriquement les propos de Tarek Oubrou. Mais je pense qu'il faut sortir d'une communication binaire et d'un rapport à la binarité. C'est ce qui empoisonne un peu cette communauté aujourd'hui. On est dans c'est le binaire, c'est-à-dire justement. C'est-à-dire on prend ou on prend pas. Voilà. C'est bon, c'est faux, etc. Je pense qu'il faut nuancer. Et il y a un peu aussi dans l'expression. Je dis pas que Tarek Oubrou pense en termes de binarité, mais dans sa communication, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être le choix des mots, le choix des termes, et sans même prendre la peine de définir ce qu'il entend derrière. Chose qu'en fait qu'on voit chez Tarek Ramadan, qui lui pourtant est fustigé, alors qu'il prend la peine systématiquement de définir les concepts, définir les termes qu'il utilise. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, et je rejoins notre auditrice qui a appelé, et moi-même en fait je peux dire par expérience que je sais ce que c'est que l'exclusion, puisque j'ai été exclue deux fois en raison de la question du voile. Je connais très bien la question de la laïcité. J'ai été parmi les premières affaires des filles voilées, dans les années 89-90, au moment où tout ça se mettait en œuvre. La déferlante était énorme. J'ai vécu la haine, j'ai vécu le rejet de l'exclusion. J'ai dû me débrouiller par correspondance. Ça a été une épreuve terrible, mais à la fin, je suis quand même par un parcours, par des cours par correspondance, j'ai fini par arriver à l'université en fac de médecine, également dans le domaine de la psychologie. Et aujourd'hui, je suis ici pour parler, pour dire qu'il y a un véritable travail à faire, que la laïcité, si on l'appliquait dans ce qu'elle met en place, dans ce qu'elle encadre dans l'espace public, etc. Les musulmans s'intègre parfaitement. D'ailleurs, il y a même eu mon affaire a été la première affaire qui a été gagnée au Conseil d'État et qui a donné une jurisprudence qui est l'arrêt Kairouan, et donc je peux très bien en parler. Ah oui. Oui, oui, tout à fait. C'est quoi l'arrêt Kairouan? Eh ben l'arrêt Kairouan, c'est la première procédure qui a été rendue par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, j'avais été exclue du collège. Ouais. Donc pendant deux ans, j'étais par correspondance, 6e, 5e. Et la procédure est en cours. Le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision d'exclusion du collège qui basait son exclusion sur un article qui interdisait tout signe religieux et qui avait nommé la croix, la kippa et le foulard. Le foulard, à l'époque, on parlait pas forcément de foulard islamique, mais on disait le foulard. Et finalement, le Conseil d'État, dans le cadre donc du droit administratif, a étudié les principes de laïcité et a jugé que le port du voile en lui-même ne peut constituer
une incompatibilité avec les principes de la laïcité. Et au nom de la laïcité, le juge du Conseil d'État m'a permis de regagner mon collège. Et j'ai pu rester 2 ans et puis arriver au lycée. Je remercierai François Bayrou d'avoir mis sa belle circulaire, puisque je me suis fait exclure une deuxième fois. Voilà. D'accord, merci François. Allez, Arrêt Carrois, tiens. Bon, ouais, allez chercher ça sur Internet, c'est pas mal ça. Dis donc, t'as commencé jeune alors, le porter ce voile. Ah oui, 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 en fait, je le porte depuis l'âge de 10 ans. Et ce que je voulais exprimer, c'est que c'était vraiment, vraiment un cheminement spirituel. Heureusement que c'est pas maintenant, parce que là, on t'aurait pris pour une djihadiste en puissance. Oui, oui, complètement. Ah oui, là, t'aurais été. Ça aurait été très grave, je pense. Ouais, voilà. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé à me parler de la laïcité, tout ça. Moi, je connaissais vraiment pas. Enfin, j'ai 10, 11 ans, je sais pas. Voilà, je connaissais un petit peu ma religion, tout ce que je voulais. J'adorais les études. J'étais pas là. Enfin, voilà. Je voulais aller à l'école, comme tout le monde. On s'amusait comme tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y a une forme de déshumanisation de ce problème. On se focalise, en fait, sur le port du voile. Et on oublie, en fait, que c'est des êtres humains qu'il y a derrière. Moi, j'étais une. D'ailleurs, le terme, le voile, moi, il me gêne un peu parce que quand on parle de voile, finalement, ça me fait référence à quelque chose, enfin, quelqu'un de voilé, alors que le voile en tant que tel ne voile pas le visage. On peut parler du voile pour la burqa qui voile intégralement le visage, on voit quasiment rien. Mais pour ce qui est du voile classique, celui que toutes les femmes, 99% des musulmanes portent, ils ne voilent pas, simplement ils couvrent les cheveux, donc c'est pas un voile, c'est un foulard. Le problème, c'est qu'on passe de l'arabe au français, et le mot hijab qui a une signification, voilà, que on pense voilà à un tissu avec lequel on se couvre, et donc en fait en français on a commencé par parler du foulard, après le voile, après il y a eu un développement de la terminologie en incluant le gilbeb, après la burqa. Alors la burqa, si je peux me permettre, je sais même pas ce que ça fait là, quoi. C'est quelque chose qui a absolument rien à voir avec le contexte français. D'ailleurs, on en a parlé, mais on n'en a jamais vu en France. Enfin, pour ma part, je circule énormément. Si, t'as vu des burqas? Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, mais tu parles des burqas avec la grille, là. Le truc noir, la grille, là. C'est moche. Enfin, qui recouvre tout le visage. Ça, c'est le niqab, tu vois. La burqa avec la grille là qu'on a vu, truc d'Afghanistan. Grille, non, là, pas vu, mais pas vu niqab, grille, hein, le niqab, oui, Ah oui, le niqab, oui, ça oui. Mais tu vois, en fait, il y a plusieurs terminologies pour plusieurs formes que ça prend. Et de toute manière, d'ailleurs, il y en a eu de plus en plus dès lors qu'on en a parlé. Hein. Oui, ouais, aussi. Le problème, c'est que d'un côté, il y a un problème de discrimination. Samira, de... faut être honnête. La plupart de ces femmes qui mettent le niqab sont pour la plupart des convertis. Il y en a beaucoup, pas que, mais parce qu'au Maghreb, c'est quasiment inexistant ce type d'habit. Le problème, c'est que justement, on est dans une société qui clive. Il y a un effet de clivage, et on est tellement dans le fait de séparer, d'être dans le discours binaire. Et je pense qu'en fait, il y a eu tel rejet de l'autre. La question de l'intégration, on peut en reparler de ça, et même ce terme, de toute manière, qu'est-ce que ça veut dire qu'intégrer, la seule chose qu'il fallait, c'était que considérer le slogan liberté, égalité, fraternité, simplement considérer les citoyens avec confession musulmane, les considérer comme tous les autres citoyens. Et l'auditrice de tout à l'heure qui disait qu'il y avait la figure de l'arabe et le racisme anti-arabe, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a un racisme anti-arabe qui est encore institutionnalisé, qui existe encore et qui pousse en fait dans des replis, et les convertis qui veulent en fait marquer dans la conversion, elles passent à quelque chose d'autre. Et en fait, il y a un démarquage qu'elles veulent faire entre leur ancienne vie et la nouvelle. Et je pense que cette question du niqab chez elles relève. C'est limite pour s'affirmer plus que les autres. Du réflexe identitaire. Mmh. Mais encore une fois, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas ouvert, on n'est pas dans l'ouverture. On pousse au repli de tout type. On est dans une société qui est d'ailleurs globalement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de la question de l'islam, mais la question économique. Il y a une précarité, les gens ne sont pas heureux. Donc il y a énormément d'autres choses à travailler en amont. Et je pense que replacer l'humain au centre. Alors il y a Alpatch qui est avec nous. Salut Alpatch. Oui, ça va ou quoi? Ça va, il nous appelle d'où l'ami Alpatch? Ouais, comme d'habitude, Montreuil, hein, ça n'a pas changé. Montreuil, ouais, c'est le 21e arrondissement de Paris. Faut pas oublier qu'en exemple d'innovation.
le Maghreb a frappé très fort. Je veux dire, on n'a plus rien à prouver. Surtout la Tunisie, c'était le premier pays à mettre en avant la pilule, les contraceptions avant l'Europe, tu vois. Donc ouais. Au niveau de c'est la féminité et tout ça, on n'a rien à prouver, tu vois ce que je veux dire. C'est un débat inutile. Non, il n'y a pas de débat inutile. Je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, il y a un tel contexte que tout débat n'est pas inutile. Au contraire, on essaie d'aborder ce débat sous un autre angle. On devrait mettre en avant les jeunes cerveaux, les grands chefs d'entreprise des quartiers, les grands philosophes, tu vois ce qui nous fait avancer. Ouais, au lieu de répondre, d'essayer de trouver des arguments à leur débat foireux, tu vois ce que je veux dire. Il n'y en a plus des philosophes, mais tu m'en trouves toi, ils qui. Mais justement, en fait, on leur donne les pas la parole. Les intellectuels, ils sont du moulin, où du moulin à grain, en reprenant leur. En voulant s'investir dans leur débat, c'est du temps perdu. Le problème, c'est qu'il faut replacer le débat, c'est-à-dire redéfinir les termes du débat. On n'a pas s'intégré, excusez-moi, madame. Non, bien sûr. Ah, mais c'était pas mon. J'ai bien mis un bémol sur la question d'intégration, parce qu'il s'agit pas de ça. Il s'agit de nous traiter de manière égalitaire. Aujourd'hui, voilà. Dans les pays arabes, les femmes voilées, elles conduisent des avions. Exactement. La femme dans le Maghreb, elle a plus rien à prouver. C'est elle qui a. Mais tu parles bien du Maghreb. La guerre d'Algérie, c'est la femme dans le Maghreb. Rien à prouver. Il s'attache à nous salir avec des débats foireux. Mais moi, je n'ai pas appelé pour ça. J'ai appelé pour rendre hommage à un artiste qui est décédé, un grand artiste de funk, un grand producteur. Et c'est Kashif, de son vrai nom Michael Jones. Tout le monde le connaît. Il a produit Evelyn Champagne King, Whitney Houston, et j'en passe et des meilleurs. Donc, si Christophe, on pouvait passer un morceau de lui. C'est qu'il a percé toute une génération dans la communauté dans les années 80. Al Patch. Ouais. Bien joué et je tiens à signaler aux auditeurs que lorsque je suis parti à New York, Al Patch n'a pas arrêté de me harceler pour que je lui trouve des vinyles dans un quartier bien défini. J'ai cherché mon ami, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Ah, j'irai moi-même, mais c'est bon. Donc c'est Michael Jones. Il s'est reconverti à l'islam. Tout le monde le connaît sous le nom Kashif. Ouais. Donc il est mort il y a quelques jours là. Il n'y a pas très longtemps là. Merci en tout cas de l'info, Ami Al Patch. À très vite. Allez, dans un instant, on va retrouver ton avis tranché, ma chère Samira, oui. Et puis répondez à la question qu'on pose aujourd'hui sur la page Facebook par rapport aux propos de Tarek Obrou. Il n'y a pas de débat inutile, mais des débats qu'on aborde, sous un autre angle. C'est pas les débats que l'on entend, c'est stérile sur les autres médias. On essaie d'y apporter une autre touche, une spécificité à la France Maghreb Family. À tout de suite. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Et bon début de soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum évidemment jusque 18h30 avec Samira Karoua qui est avec nous aujourd'hui, coach en développement personnel mais aussi organisatrice d'événements pour commenter l'actualité sur France Maghreb 2. Avant dans quelques instants de retrouver Yasser Louati qui va nous parler de son déplacement à Varsovie où il est allé parler des conséquences de l'islamophobie en France et il sera en partance pour Berlin demain. On va parler donc de ces deux événements intéressants qui le concernent et qui vous concernent messieurs dames. Pour l'heure, voici la vie tranchée de Samira Karoua. Alors aujourd'hui, Samira souhaite nous parler d'un sujet extrêmement important et malheureusement trop souvent dans l'actualité. Avis tranché. Silence, l'état d'urgence tue. Nous commencerons aujourd'hui en fait avec une citation. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Citation de Montesquieu de l'Esprit des Lois. Cette diatribe qui va suivre est une réflexion générale sur la violence actuelle, la violence policière, les abus de l'état d'urgence et un hommage tout particulier à toutes les victimes d'ici ou là-bas, car indubitablement une vie humaine reste une vie humaine. Nous avons encore une fois été effarés par un énième récit relatant un moment de la vie quotidienne d'un sujet qui vire au drame pour avoir eu un cœur en action, une conscience éveillée et des actes citoyens actifs brisant le lourd silence de l'impunité.
Jeudi 22 septembre, Guillaume Vado, professeur à la Sorbonne, va être témoin de la brutalité policière à l'encontre d'une femme noire à la gare de Saint-Denis. Parce qu'elle n'avait pas de ticket de transport, elle sera violemment menottée et malmenée. Convaincu qu'il doit y avoir une justice pour tous, ce professeur non titulaire, parce qu'il filme la scène, pour inciter ses agents dans l'exercice de leurs fonctions à plus de retenue et à leur devoir de protéger la population, va être malmené, violenté lui-même, insulté, menacé par ces mêmes agents. Il subira même des attouchements et sera au final tasé pour avoir risqué un comportement citoyen des plus banals. L'affaire est en cours actuellement puisqu'il a porté plainte. Les abus des forces de l'ordre ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, on se souvient encore de la tragique disparition d'Adama Traoré cet été, âgé seulement de 24 ans, alors que rien n'indique que ceux qui en sont responsables seront punis un jour prochain. Nous sommes convaincus que le climat actuel ne contribue pas à apaiser les esprits et que l'état d'urgence renforce le sentiment bien réel de la toute-puissance des forces de l'ordre qui semblent pouvoir agir en toute impunité. Pour cela, il nous a semblé important et nécessaire de tirer la sonnette d'alarme, rappelant à l'ordre ses fonctionnaires au service de la population, tenus à toute impartialité selon le code des déontologies encadrant leur statut. Mais également en nous adressant directement à notre cher président, dont nous pensons qu'il a clairement contribué à aggraver cet état de fait depuis novembre 2015 par ses choix politiques. Monsieur le président, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire dans votre discours avoué quelque peu hâtif, à peine 2 heures après les attentats meurtriers de la tragique soirée du 13 novembre, que d'attiser encore plus de peur, de haine et de violence, alors que les Français, en état de choc, attendaient sûrement de leur présupposé leader un ton plus mesuré et rassurant, tout en témoignant d'une accointance et d'une clairvoyance sans faille dans les dispositions nécessaires à mettre en place. Au lieu de cela, vous répétez inlassablement que nous sommes en guerre et que pour lutter efficacement contre le terrorisme ici, il faut plus de guerre là-bas. Monsieur le Président, vous souvenez-vous de l'effet papillon? Les battements d'ailes d'un papillon au Brésil provoquent une tornade au Texas, alors quand vos avions de chasse battent de leurs ailes pour larguer leurs bombes sur la population civile de l'un des plus beaux berceaux de l'humanité, vous vous étonnez réellement que l'ouragan s'abatte sur nous avec fracas. Monsieur le Président, si nous sommes d'accord que l'argument sécuritaire est nécessaire, dans une certaine mesure en réponse à des attaque d'une violence inouïe sur le territoire national, nous sommes en revanche moins convaincus de l'efficience de l'état d'urgence dans un contexte sous haute tension. Contexte ouvrant la voie clairement à de nouveaux abus, se rajoutant à une longue histoire de violences policières restées sans suite, sur fond de figures de l'arabe, du noir et de l'étranger. Un Serge Aurier aurait-il été condamné si fermement s'il n'avait pas été noir ? Monsieur le Président, nous pouvons dès lors constater que vous ignorez à peu près tout de la mesure, à part quand il s'agit d'évaluer la taille de votre ego et de votre scandaleuse suffisance qui bat des records astronomiques. En cela, Monsieur Nicolas Sarkozy, tirant péniblement derrière lui la valise alourdie des longs dossiers des procédures en cours, vous rejoint d'ailleurs aisément en pole position du même classement. Suivi d'une ribambelle et stupide pseudo-élite d'esprit étriqué, carriériste et tout aussi indifférent du sort du peuple et de la paix mondiale, qui vous talonne sottement et qui vous érige tous deux au statut d'exemple à suivre. Monsieur le Président, vous distillez la peur à défaut d'avoir pris votre courage s'il en est à deux mains et de relever vos manches depuis bientôt 5 ans déjà, sans avoir exécuté le seul travail qui vous a été confié par le peuple français. Monsieur le Président, cette peur, vous en avez fait votre arme de destruction massive. Pourtant, nous n'avons observé aucun GI américain débarquer pour réinstaurer ou instaurer tout court la démocratie et la paix à Paris et en France. Ils sont après tout peut-être trop occupés à jouer les alchimistes dans les nombreuses contrées au sous-sol florissant, transformant les ressources naturelles des peuples qu'il spolie en or. Excessif, nous direz-vous. Sur ce point, nous sommes d'accord. Excessif, en effet, étaient les 86 morts du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Excessif, les 130 morts du 13 novembre. Excessif, les 260 000 morts syriens ou plus depuis 2011. Excessif, les plus de 500 000 morts irakiens de 2003 à 2011. Excessif, les nombreux Bouna, Ziyad, Adama et autres, dont on ignore les chiffres, mais dont on sait qu'ils nous ont bien quittés après avoir fâcheusement croisé vos forces de l'ordre, causant toujours plus de désordre sur leur passage. Excessif, les 3594 perquisitions perpétrées entre le 14 novembre 2015 et le 26 mai 2016, alors qu'un nombre infinitésimal d'entre elles s'en sont suivies de poursuites. Excessif de ne pas tenir compte des propos de la Ligue des droits de l'homme, dénonçant la volonté du gouvernement, votre gouvernement, de maintenir l'état d'urgence, expliquant que les mesures d'exception n'ont aucune raison de subsister.
Monsieur le Président, vous pourrez peut-être d'ailleurs, au passage, nous expliquer comment, en pleine lutte antiterroriste, des perquisitions en nombre concernèrent des maraîchers bio, anciens militants écolos. Daesh se trouverait-il être un défenseur de l'environnement et du manger mieux sans que cela ne se sache? Ou serait-ce un de ces milieux de recrutement et de radicalisation de prédilection? Selon les propos éclairés de Isa Letas, chercheur spécialiste des droits de l'homme, la France a la responsabilité de garantir la sécurité publique et d'essayer d'empêcher de nouvelles attaques. Mais la police a usé de ses nouveaux pouvoirs liés à l'état d'urgence de façon abusive, discriminatoire et injustifiée. Ces abus ont traumatisé des familles et entaché des réputations, donnant l'impression aux personnes ciblées d'être des citoyens de seconde zone. Monsieur le Président, l'état d'urgence tue l'état de droit, tue notre humanité, tue notre liberté de penser, guidée par la seule peur qui paralyse. L'état d'urgence tue l'amour et le respect entre les peuples. Monsieur le Président, sachez enfin que les cœurs des Français, de tous les Français qui veulent la paix, l'amour et la liberté, résonnent à l'unisson et tous ensemble, dans un mouvement coordonné, vous pointent du doigt la porte de sortie que nous vous invitons à emprunter, vous et tous ceux qui pensent et agissent comme vous, dans un état d'urgence immédiat. 2017 arrive à grands pas, nous n'oublierons pas ce que vous avez fait, rendant ce monde pire qu'il ne l'était déjà. Maintenant nous sommes là, mettant définitivement fin en urgence à notre servitude volontaire. Et désormais, nous faisons en sorte de construire dans la paix, la non-violence, la bienveillance et l'amour un monde meilleur. Et nous avons déjà commencé. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Samira Karouan, très très beau, très très belle avis tranché. Hein. Donc, merci. Aujourd'hui, ma chère Samira, moi ça me fait penser à un truc qu'on pourrait éventuellement... c'est une lettre en fait au président, hein, oui, voilà, que tu as faite. C'est ça. On pourrait la remettre par écrit et inviter tous les auditeurs à lui envoyer, hein, en guise de cadeau de Noël. Ça peut être sympa, non? On va voir ce que va en penser lui qui connaît bien le sujet, qui est un militant, qui fait partie de la team du Grand Forum, et j'en suis d'ailleurs très fier, que tu ne connais pas, que tu vas donc découvrir bientôt, rencontrer, je l'espère, en personne et en studio. Yasser Louati, salut. Salut Yasser, salut tout le monde. Salut. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cet avis tranché de Samira Karouan là, qui fait ses débuts dans la team là? Franchement, waouh, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, merci, nickel. Yasser Louati, donc qui était de passage, qui était à Varsovie pour nous parler justement des conséquences de l'islamophobie en France. Yasser, comment s'est passé ce discours que tu as tenu hier matin? Ben écoute, c'est comme toujours, donc avant de prendre la parole, c'est chacun qui regarde, qui dit tiens, il y en a un qui vient de France, et qu'est-ce qu'il va encore nous raconter. Donc on sent qu'il y a une attente dans la salle, et oui, donc après avoir fait un discours sur justement la normalisation du discours islamophobe, l'exclusion structurelle des citoyens de confession musulmane, et surtout le fait qu'un pays en panne rejette sans arrêt des boucs émissaires pour les échecs de ses propres élites. Donc j'ai fait le bilan de plusieurs années de discrimination structurelle, de l'islamodiversion qui consiste à constamment parler des musulmans pour ne pas parler des problèmes de la France, puis l'échec répété mandat après mandat des responsables politiques et la complicité active et non plus passive des médias aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc le tout pour arriver à une série de recommandations qui commencent par la reconnaissance de l'islamophobie au niveau de l'OSCE en tant que tel, les États membres, d'adopter une définition qui soit claire et qui soit aussi, qui donne des outils juridiques pour pouvoir agir dans l'intérêt de la protection des personnes, de leur dignité, de leurs biens. Et ensuite, j'étais appelé à ce que les lois discriminatoires qui ciblent les musulmans, telles que la loi de 2004 et celle de 2009, soient révoquées. On ne peut pas passer des lois qui ciblent directement des citoyens de confession musulmane et dire ensuite on va les libérer leurs femmes et œuvrer à l'égalité. Donc tout ça a été fait dans une ambiance, on va dire, assez tendue, parce que bon, la délégation française sur place, elle est attaquée de toutes parts, que ce soit les organisations françaises, que les organisations européennes, qui reprochent justement à la France d'être devenue un laboratoire d'islamophobie au niveau européen, si ce n'est au niveau mondial, et qui en même temps inspire d'autres pays pour adopter des mêmes règles discriminatoires, et aussi qui en fait contribuent à ce que la diabolisation des musulmans devienne un véritable business, comme c'est le cas par exemple en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Donc l'idéal a été atteint, c'était de proposer un discours qui soit en fait lucide sur la réalité, ce qui permette de fédérer. Donc il faut comprendre qu'en France, beaucoup d'organisations agissent au niveau local, qu'il y a des liens qui sont en train de se tisser,
et que chaque militant qui se respecte ne devrait pas agir dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt collectif. C'est pour ça que des plateformes comme l'OSCE ou bien l'ONU, la Commission européenne, même le Conseil de l'Europe, sont des plateformes idéales pour justement faire en sorte que les militants se rencontrent, que les organisations apprennent à travailler ensemble pour ensuite arriver à un objectif. Et voilà, et cet objectif, on sait qu'il est de taille. C'est-à-dire, on ne va pas changer des politiques qui datent de 30-40 ans en une journée ou en un claquement de doigts. Mais par contre, le fait que des synergies émergent et que surtout les organisations et les militants travaillent de concert au, au niveau national et international. Ouais. Voilà, je sais que le constat est, on va, je vais pas dire qu'il est amer, mais je reste quand même optimiste sur le fait de faire, voilà, des nouveaux têtes émerger, voir beaucoup de personnes qui sont là prêtes à se battre et, voilà, j'en appelle tous les auditeurs. Voilà, reprenez votre discours en main, reprenez votre récit en main et surtout ne restez pas les bras croisés. C'est pas tout le monde qui peut être militant ou qui veut être militant. Il faut surtout soutenir ceux qui font ce travail-là. Alors, après Varsovie, direction Berlin pour toi, hein, c'est un peu un transit Paris aujourd'hui là. Voilà, en fait, donc là je suis, là, je vous parle de l'arrêt de bus et en fait il y a en fait une autre équipe que je dois rencontrer ce soir et demain on repart à Berlin pour justement rencontrer différentes associations et militants des droits de l'homme au niveau européen qui s'inquiètent justement des c'est titré en fait la réduction de l'espace militant, c'est-à-dire le passage de différentes lois répressives, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, pour en sorte que bah oui, on a diabolisé un ennemi intérieur, à savoir les musulmans, et ensuite bah, toutes ces mesures qu'on a légitimées sous couvert de lutte contre le terrorisme, bah, maintenant elles sont appliquées à tout un chacun, que ce soit les mouvements sociaux, que ce soit les contestataires, les chercheurs qui sont mécontents, les profs d'université qui mènent des travaux de recherche, pardon, qui déplaisent à l'État, etc., etc., la mise en place de la surveillance de masse, pour que, voilà, on voit qu'il y a, en même temps qu'on fait passer, un agenda libéral fait d'austérité et de coupes budgétaires et de casse sociale, bah, en même temps, on fait passer des lois pour légitimer et légaliser la répression brutale. Il suffit de voir maintenant comment est-ce que les manifestations sont matées systématiquement, aussi bien à Paris qu'en province, pour savoir que oui, la répression va de pair avec l'austérité et l'islamophobie a été un outil utile pour justement distraire les mots. Donc demain, direction Berlin pour parler de tout cela et bah, tu reviens après sur Paris, tu reviendras évidemment dans les studios la semaine prochaine, mon cher ami Yasser. Exactement, bon, on fera un bilan, on débriefera et on appellera, j'espère, à des nouveaux militants qui viennent rejoindre les rangs. Eh bien, avec grand plaisir, bon voyage à toi en tout cas Yasser et bravo pour ton militantisme qui n'est plus approuvé aujourd'hui. Merci beaucoup Yasser. Revoir, merci Yasser. À tous et merci à Radio France Maghreb. Salut Yasser, ciao ciao. Voilà, notre militant, hein, c'est le militant de la team lui, Yasser Louati, ancien porte-parole du CCIF d'ailleurs, qui aujourd'hui bah, reste dans le militantisme. À la base, tu sais qu'il est pilote d'avion, hein, Yasser. Donc, donc ouais, voilà. Bah, le militantisme, moi, je connais bien. Je pense que le militantisme, ça rapporte beaucoup moins que d'être pilote d'avion, mais ça, bon, il lui a choisi sa branche. Voilà. Bah. Et en l'occurrence, voilà, il faut quand même pointer du doigt certaines personnes qui croient justement au fait de se mobiliser, de se battre. Et c'est très bien ainsi. Donc, bah, n'hésitez pas à réagir hein, sur la vie tranchée de Samira. Et surtout, bon, franchement, ça serait bien de faire ça sur une lettre. Voilà, c'est la lettre au Monsieur le Président. D'accord. Ça lui ferait plaisir de recevoir, je sais pas, j'allais dire 10 000, 100 000, 100 000 lettres de ce type pour les élections. Ça serait sympa, je pense. Ouais. Surtout là, on est dans la meilleure des périodes, j'ai envie de dire, pour passer un message et qu'enfin on nous écoute. Et surtout, je prône en fait un engagement citoyen. Rigoureux vis-à-vis des responsables politiques et leur rappeler qu'ils sont pas au théâtre et ils sont pas en train et ils sont pas là en fait à essayer de se mettre en valeur. Ils ont une mission. S'ils sont pas capables de l'accomplir, qu'ils ne se présentent pas et donc d'assumer leurs responsabilités. Alors Samira, tu vas apprendre que la radio, eh bien, il y a des commentaires qui sont pas très très gentils. Bah, à l'image de Facebook. Voilà, ce qui prouve aussi notre immaturité aussi dans cette communauté parfois. Je prends en exemple un commentaire que l'on a reçu par rapport à la question et au commentaire, enfin à la réflexion pardon, émise de la part de Tarek Obrou. C'est Milou qui nous dit ceci. Vous n'avez rien de plus intéressant à raconter que l'histoire de voile de votre chroniqueuse Samira. Elle trouve normal de devoir couvrir la tête depuis l'âge de 10 ans, ça en dit long.
sur l'extrémisme de ses parents sur, qui oblige la fille à se couvrir. D'accord. Je te passe le reste. Ouais, non mais bon. Écoute, de toute manière, tu sais quelque chose qu'on apprend quand on arrive dans le développement personnel, et c'est marrant parce que ça remet en fait en adéquation complète avec la fitra. Tu sais, la notion de la fitra qu'on a en islam et le fait d'avoir recours à, et de retourner à notre nature primordiale. Et ben en fait, c'est ce qu'on a actuellement dans tous les mouvements bien-être et tout ça. Et on explique une chose, l'opinion d'une personne reste son opinion, et cet homme qui a formulé cette opinion la formule parce qu'il y a tout un tas de choses qui influencent sa manière de penser. Là, j'ai même pas envie, je le prends même pas pour moi, mais voilà. Oui, ça bien. Oui, je te disais, je le prends même pas son avis pour voilà, comme une attaque ou quoi que ce soit, puisque de toute manière chacun est libre. Enfin, je comprends pas, on parle de cette liberté partout, mais quand il s'agit en fait de femmes voilées, on est là, c'est pas une opinion, c'est même en plus un jugement. Mais voilà, de quel droit en fait on peut juger quelqu'un sans le connaître, ouais, sans le savoir. Après, bon, voilà, c'est un commentaire parmi tant d'autres, évidemment. Oui, voilà, il y en a d'autres. Il y a même Karim qui lui dit. Monsieur Milou, quel courage, hein, avec évidemment un peu d'ironie. Ouais. Un autre commentaire, hein, sur la page Facebook France Maghreb 2, c'est qui d'ailleurs ? Moi, c'est un auditeur. Les pratiques et la visibilité de l'islam. Si Monsieur parle, Monsieur Tarek Oubou parle de pratiques anarchiques et archaïques. Je suis d'accord. Et si Monsieur parle de la visibilité, barbe, sans moustache, pantalon, qui arrive aux chevilles. Les camis sous la veste, les comportements haineux, j'en passe et des meilleurs, je suis entièrement d'accord. C'est ce que nous dit cet auditeur. Voilà, beaucoup de commentaires en tout cas la question que l'on vous pose aujourd'hui, surtout par rapport à Tarek Oubrou. En tout cas, à un commentaire qui signé Karim qui nous dit: je pense que pour Tarek Oubrou, c'est le moment ou jamais de rejoindre le duo Chalgoumou Kbibesh. Bon, quand même, c'est pas sympa de comparer quand même Chalgoumou et Kbibesh. Oui, non. Pour nous faire un 2-3 soleil. Voilà. En plus, ils ont de l'humour. C'est formidable. Voilà. Vous continuez, en tout cas, sur France Maghreb 2, 08 92 23 99 50. Allez, on accueille Ahmed qui nous appelle d'Algérie. Salut, Ahmed. Oui, je vous souhaite le bonjour de vous, Saada, toujours. Bonjour. Hein, où je suis invité pour quelques temps. Donc, je voulais, moi, contrairement à notre ami, qui a eu quand même des propos un peu, je veux dire... Dégueulasse. Qui n'ont pas besoin d'être... Non, mais enfin, je veux dire, dans le sens où on n'a même pas besoin de dire ça. Parce que en entendant justement votre chroniqueuse, que je remercie, à qui je dis bravo pour le courage qu'elle a, parce que merci. Aujourd'hui, en France, il est très difficile d'être une jeune fille musulmane ou une femme musulmane, bien évidemment, avec toutes les difficultés. C'est-à-dire, il faut être assimilé. C'est ça ce que je regrette de la part de monsieur Tarek Oubrou, qui parle dans une émission qui n'a absolument pas une vocation à essayer, c'est-à-dire à parler de l'islam, mais naturellement toujours cette façon de battre sa coulpe, de se justifier, de presque rendre au gorge, je veux dire, par rapport à des choses vraiment qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai pas à me justifier envers qui que ce soit. Je suis dans un pays, je suis aujourd'hui, c'est pas le cas bien évidemment, mais enfin bientôt je vais revenir chez moi en France, je suis français. Donc moi, dans mon pays, en France, je respecte la laïcité, j'ai des droits et des devoirs. Je remplis mes devoirs, j'exige mes droits. Comme n'importe quel Français, moi, j'ai pas besoin d'un strapontin. Hier, j'ai entendu notre ami Milan parler de communauté. Ce qu'il oublie, c'est que la communauté juive, elle s'est rassemblée autour d'une religion. La religion juive, mon cher, c'est pas le cas de certains Algériens, Tunisiens, Marocains, que je respecte tout à fait, s'ils sont athées ou autres. Mais je veux dire, parce qu'hier, il a chanté un peu les louanges, je veux dire, de la communauté juive, certes. Mais je veux dire, les falachas, ils sont morts, que je sache. Et pourtant, il y a eu un moment donné, on est allé les chercher en Éthiopie. Hein, vous savez comment il y a les juifs, les juifs d'origine européenne, donc c'est les aidez-moi Christophe, les séparades, les Ashkenazes, donc séparades d'Afrique du Nord, Ashkenazes d'Europe
Et je veux dire, ceux qui viennent d'Éthiopie, donc les Palachas, ils sont d'origines diverses. Vous avez des Européens, vous avez des gens qui viennent d'Afrique du Nord, et vous avez des gens qui viennent pratiquement, qui sont typés d'Afrique noire, pratiquement. Et donc ces gens-là se retrouvent autour d'une religion. Voilà justement ce que nous n'avons pas, Monsieur Milot, parce que hier, vous sembliez dire que, la religion n'avait rien à voir, mais justement, ils se réunissent autour d'une religion. Mais c'est pas notre cas, parce qu'on a parlé souvent avec Christophe de cette religion en France, mais qui est prise en main par les consulats, et c'est elle qu'une lettre. L'otage des consulats, oui. D'espérer un jour que nous puissions, nous, prendre en main notre religion. Donc je vous dis bravo pour ce que vous avez enduré, madame ou mademoiselle, parce que c'est pas facile, je veux dire, dans cette société, qui lâche, quand je dis pas toute la société, bien évidemment, mais ces gens qui essayent justement dans une sorte de lâcheté mesquine, à essayer toujours de rendre la vie difficile à ces jeunes filles qui ont un cerveau sous le voile. C'est ça ce que beaucoup de gens oublient. Oui, il y a un cerveau bien développé, merci. Sont contraintes. Mais la contrainte, Monsieur Milot, je vais vous dire, n'oubliez pas que en France, quand une fille veut rentrer dans les ordres, on dit elle a la vocation. C'est drôle, parce qu'elle a très bien la vocation. Et elle va sur les ordres, elle va vivre dans un couvent toute sa vie, parce qu'elle va épouser Jésus. Je respecte la religion chrétienne, pour que j'ai un propre respect encore une fois, mais je veux dire, cette fille-là, hein, elle va faire le choix, mais on dira jamais que ses parents l'ont imposé. On dit non, c'est son choix, elle a la vocation. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas la vocation des filles musulmanes? Pourquoi on rentre, et c'est ce que je trouve regrettable, parce que bon, je peux pas quand même prendre beaucoup de votre temps, Christophe, même si j'ai la possibilité de vous appeler pendant une heure, hein, d'Algérie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je trouve malheureux de la part de M. Obrou, pour qui j'ai un profond respect aussi, c'est toujours c'est-à-dire dans le bon sens, on veut l'emmener. Moi, j'ai pas besoin d'expliquer. Il y a des choses qui font partie de la religion, qui sont inaliénables. Il y a ma vie dans la société. Moi, ma vie dans la société n'a rien à voir avec ma religion. Et c'est ce que dit votre chroniqueuse. Elle a dit, moi, je suis musulmane, mais ça m'empêche pas d'être une intellectuelle, ça m'empêche pas d'aller vers les autres, ça m'empêche pas de vivre dans cette société. C'est ça le sens de la religion. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il est utilisé à dessein. Vous savez très bien, parce que les politiques savent très bien que pour gagner les élections, il faut taper sur l'islam au maximum. C'est ça. Oui. Là, on n'a pas à essayer de faire le bon par rapport à ça. Il faut réagir. Quand j'ai la réaction, c'est de voter. Naturellement, aujourd'hui, elle est primaire. J'ai dit hier, je le répète, parce que, excusez-moi Christophe, mais moi, je suis comme ça, je ne pourrais pas me changer. Il y a les primaires. Nous avons la possibilité, c'est-à-dire de faire barrage aux gens qui sont tout le temps en train de parler de la religion musulmane. Il n'y a que ça. Il n'y a aucun projet pour cette société française qui est en train de se biléquer. Donc, il n'y a que l'islam, les jeunes filles, les repas de substitution, enfin tout ce qui touche l'islam de près ou de loin, que ce soit des jeunes filles ou des moins jeunes, etc. Et tout à l'heure, quelqu'un a juste raison et a juste titre à parler de la haine de l'arabe. Elle existe depuis toujours, c'est-à-dire avant, dans les années 60, il y avait les Algériens, ce qui était la guerre d'Algérie, c'était les Bougnoules. Aujourd'hui, on est, à notre terme, les intégristes ou les radicalisés. C'est de la haine et du racisme. Donc, nous devons voter, nous devons nous imposer par le vote, et je dis, il y a les primaires aux républicains, si vous voulez faire barrage à Sarkozy, je dis bien, parce que bon, Le Pen, elle peut se présenter, elle passera jamais, mais si vous voulez faire barrage à Sarkozy, moi je vous conseille d'aller voter aux primaires des républicains. Voilà. Merci Ahmed, merci beaucoup, et bon voyage. Mais continuez, je vous en conjure, vous êtes formidables. Hein, vous n'avez pas, à la limite, je n'ai même pas à vous dire ça, parce que je suppose que vous êtes au-dessus de tout ça, mais bravo, 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 parce que je vous dis, vivre en France, pour les musulmans, c'est terriblement difficile. Oui. Et moi, je suis à vos côtés, et Inch'Allah, que Dieu vous assiste et qu'il vous guide. Et merci Ahmed, merci. Voilà. Vous voyez, c'est contrasté dans l'émission, hein. Oui, on a des habits. Ça bouge. Ça bouge. Tu vas découvrir ça au fur et à mesure. T'inquiète pas, tu vas être servi pour le coup. Allez, dans un instant, on va changer de sujet. On va aller outre-Atlantique pour parler de ce débat. Débat qui a été suivi par des millions et des millions de téléspectateurs. Clinton 1, Trump 0. C'est ce qui ressort en tout cas d'un sondage au vu des débats. Du premier débat, il y en aura 3 au total, qui s'est déroulé donc cette nuit aux États-Unis sur CNN. À tout de suite. Avec Samira Karoua qui est avec nous et qui est toujours coach. Et elle a de quoi coacher d'ailleurs, hein, certains. Coach donc en
En développement personnel. Développement personnel. Voilà. Non, j'ai mon cerveau, tu sais. Oui, non, mais bon, après, ça bouge beaucoup ce soir. Ah, oui. Et puis également organisatrice d'événements. Voilà. Alors, avant de parler du débat Trump, Hillary, Clinton, donc cette nuit, Ali est avec nous. Bonsoir, Ali. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à Samira. Samira, je te tire mon chapeau, mais vraiment bien bas pour ce que tu as écrit et ce que tu as ton intervention tout à l'heure. Merci. Franchement, Ali. Elle est vraiment superbe et continue comme ça, fais encore des milliers et comme ça. D'accord. Ça éveille l'esprit. C'est que le début. Ça réchauffe le cœur. D'accord. Merci. Merci Ali. Voilà. Et donc, je voudrais intervenir un prolongement de ce que tu as dit. Oui. Et c'est, je voudrais apporter des faits. Pourquoi on en est arrivé là, à ce point-là? Où la communauté musulmane est visée, les ciblés, l'islam en général est ciblé, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, etc. Il faut commencer par les faits. Je vais commencer par cette introduction. La source, la Pravda, des membres de l'intérieur du gouvernement américain ont planifié et orchestré l'attaque du 11-9 WTC, les tours jumelles, en 2001. Un passeport du présumé terroriste Atta a été retrouvé sur le tas de cendres, encore tout fumant. Les musulmans ont été visés à travers Al-Qaïda. Alors qu'Al-Qaïda, on sait comment il est. Le cas des frères Kouachi de l'affaire Charlie Hebdo. Une carte d'identité a été retrouvée dans la voiture. Et ils ont réussi à traverser tout Paris, malgré les caméras, les bouchons, les feux rouges, les polices, etc. L'affaire Mera, à 1h du matin, alors encerclée par deux cordons de policiers, Mera serait sortie et réussi à passer la surveillance, téléphoner à plus d'un kilomètre dans une cabine, se dénoncer à France 24 et revenir chez lui en repassant la cordon sécuritaire. Encore, on parlait d'Al-Qaïda, les musulmans sont encore visés. Dans tous ces cas, Al-Qaïda ou Daesh, les musulmans, islam, danger, islamophobie. Et voici où je veux en venir. Encore un fait, mais vraiment avéré. S'il vous plaît, écoutez bien. Source, Le Courrier de l'Ouest. Saumur, le titre. Les terroristes de Daesh étaient en fait des militaires. Un article de Monsieur François Asselineau, que je souhaite qu'il soit président. Mercredi 21 septembre 2016, après-midi, des employés d'une entreprise d'insertion spécialisée dans le fauchage sont intervenus à la demande d'une entreprise de vin de Saumur pour nettoyer les abords d'un refuge troglodyste à Bondonnet, non loin de l'église Saint-Florent, sortie de Saumur. Alors qu'ils s'approchaient des lieux, un employé a vu trois hommes monter en vitesse dans une fourgonnette blanche et partir rapidement. En s'approchant du local troglodyste, à sa surprise, a été de découvrir du matériel vidéo, un groupe électrogène, des journaux arabophones et des drapeaux de Daesh. Pensant avoir découvert une planque terroriste, l'employé a prévenu la police nationale qui sont arrivés très vite. La gendarmerie a suivi le sous-préfet, le procureur de la République, le Courrier de l'Ouest. Après 2 heures d'investigation, la version officielle tombe, comme toutes les versions officielles, que le Centre interarmé de la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique réalisait un exercice de formation. Je pose la question. Pour un exercice de formation militaire, on choisit des bâtiments désaffectés dans un lieu sécurisé où ils sont tranquilles. Que vient faire le groupe électrogène? Que viennent faire les drapeaux de Daesh? Et que viennent faire les journaux arabophones, si ce n'est le groupe électrogène pour apporter de l'énergie autonome, les drapeaux de Daesh, si ce n'est pour apporter un décor, les journaux arabophones pour apporter un décor, et tout cela devait être au conditionnel pour tourner une vidéo pour une substantielle revendication de Daesh suite à un fait qui serait arrivé je ne sais pas où dans le monde ou en France, encore une fois les musulmans. Voilà ce que je veux dire. Merci Ali. Qui se répète, et on en arrive là. Merci Ali, effectivement, cette info, je l'ai lue. Oui. Ça le coup de la pièce d'identité, le passeport, enfin, bon, on peut croire, alors que le petit délinquant de vol à la sauvette, il sait que il doit pas avoir ses papiers sur lui quand il fait ça, donc c'est vrai que ça, bon, voilà. Je crois que le ridicule dans cette histoire a déjà été démontré. Alors parlons, si tu le veux bien, un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit. Cet événement, d'ailleurs, à ne pas manquer, hein, aux États-Unis, le premier débat télévisé donc de la campagne présidentielle à 6 semaines de l'élection, débat entre Donald Trump et Hillary Clinton, un débat qui aura tenu toutes ses promesses,
Affrontement tendu, échange musclé, ton incisif. Pour passer en revue donc de très nombreux dossiers qui dominent hein, cette campagne, emploi, immigration ou encore sécurité, autant de sujets susceptibles de départager les deux adversaires au coude à coude dans les sondages quand même. Ce qu'on peut dire en tout cas avec certitude Samira, c'est qu'après 1h30 de débat très dense, c'est que Hillary Clinton a choisi hier soir d'adopter une stratégie d'attaque. Jamais le passé de Donald Trump n'avait été ainsi exposé lors d'un débat. Pour Donald Trump, homme d'affaires, milliardaire, donc qui vante lui ses succès, la candidate a répondu sur ses sur ses différents propos multiples tout au long de ce débat. Qu'avez-vous à cacher aux Américains? Donc a-t-elle interrogé lorsque le candidat donc a réitéré son refus de rendre publique sa déclaration de revenus. C'est ce qui a été d'ailleurs un peu les grands moments de ce débat. Tu l'as peut-être pas vu, c'était tard dans la nuit, alors, mais tu as lu un petit peu. Oui, j'ai regardé, oui, ah. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en fait, elle ne l'a pas lâché, en fait. Ça a été l'attaque. La tactique d'Hillary Clinton, voilà, l'attaque. L'attaque, et elle l'a attaqué et réattaqué, en fait. Du coup, et surtout, et sur ce sujet-là, c'est vrai que je pense que Trump a été en difficulté et il avait beau essayer de trouver des arguments, Hillary a sorti les crocs. Exactement. Alors sachez que évidemment, c'est pas fini. Hein. Il y aura encore deux autres débats dans cette campagne, les 9 et 19 octobre. Et d'ici là, Hillary Clinton et Donald Trump reprennent donc leur campagne. Hein. La candidate démocrate aujourd'hui va tenir un meeting en Caroline du Nord, tandis que le républicain, lui, s'exprimera en Floride. Pendant ce temps, l'actuel ministre américain de la Défense, Ashton Carter, critique ouvertement la Russie. La Russie de Vladimir Poutine, dit-il, est à certains égards plus inquiétante que l'Union soviétique d'hier en ce qui concerne évidemment l'emploi de l'arme nucléaire. Critique liée au rôle que joue la Russie dans la guerre en Syrie, puisque l'aviation russe soutient l'armée de Bachar el-Assad, notamment à Alep, où les rebelles donc ont été visés par des bombes au phosphore, des bombes incendiaires, des bombes à sous-munitions et désormais par des bombes anti-bunker, des armes surpuissantes qui pénètrent dans le sol et qui détruisent principalement les fondations des immeubles qui s'effondrent alors comme des châteaux de cartes. Alep, justement au cœur de la bataille, Samira, de Syrie depuis jeudi, la partie rebelle de la ville est la cible d'intenses bombardements. Et ce matin, les forces pro-gouvernementales ont lancé l'assaut terrestre sur 4 fronts différents, assure à Reuters un haut responsable des rebelles qui fait état d'un nombre important d'unités de blindés. À Genève, donc, l'Organisation mondiale de la santé a réclamé l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des malades et des blessés encerclés dans les quartiers tenus par les insurgés. Une réunion spéciale du Conseil de sécurité, d'ailleurs, est prévue dans les quelques minutes, voire heures à venir sur la situation syrienne, Alep et surtout ces attaques à répétition de la part des États-Unis mais aussi de l'Europe concernant la Russie. Samira, quel regard portes-tu? Je comprends. De toute manière, les États-Unis, c'est toujours la même chose. Hein, ils réagissent toujours dès qu'on est dans leur zone d'influence. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Encore une fois, parce que Poutine est quand même une figure forte pour la Russie. Qu'on partage ou non ses choix, c'est pas la question. Mais concernant ce qui se passe à Alep, moi c'est l'aspect humanitaire de la chose qui me dépasse et je sais même pas comment faire. Enfin, faudrait taper du poing sur la table. Mais plus que ça encore, c'est scandaleux d'appeler ça une guerre, une guerre contre des civils qui n'ont rien demandé et on continue à justifier, on continue à intensifier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et que font les forces françaises là-bas? C'est la vraie question. C'est comme ça qu'on lutte contre le terrorisme. C'est comme ça qu'on des études. Quand on a envie de lutter contre le terrorisme, je sais pas, on a des universitaires, des criminologues, un certain nombre de personnes qui savent comment fonctionne un certain nombre de choses. On fait des commissions, on étudie les choses. Et on sait très bien que cette approche du terrorisme ne se combat pas comme ça. Ça a été dit et redit et ça n'apporte aucun résultat. Ouais. Et on a vu ça avec les États-Unis quand ils disaient vouloir également lutter contre le terrorisme en Afghanistan. Mis à part plus de morts civiles, qu'est-ce qu'on obtient? Rien. Si ce n'est évidemment l'intensification de la guerre et de la violence envers les victimes, comme tu le disais d'ailleurs. Très justement. Samir est avec nous. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Samir, il nous appelle d'où, Samir?
J'appelle de Saint-Ouen et je suis ravi d'être avec vous. Eh ben, ravi de t'accueillir, Samir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je voulais intervenir en fait sur plusieurs sujets, notamment. Alors, ouais, je vous écoute quand je peux. Hein, je suis désolé, mais pour autant, c'est toujours intéressant. Voilà. Déjà sur le premier point, sur comment il s'appelle, le Tarek Obrou. Ouais. Moi, je le mettrais pas dans le même panier que Chalgoumi et voilà. Non, voilà, ouais. Petite blague non, sur un 2 3 soleil. Je le mettrais pas. C'est quelqu'un, je veux dire, qui lit beaucoup, qui est à un niveau intellectuel assez. Assez conséquent et qui alors t'as dit quelque chose de très juste Christophe, t'as dit non il y a des choses et votre intervenante aussi qui a appuyé en fait sur tout ce qui est nuance, complexité, des choses. Je veux dire quand on veut aborder des choses c'est pas dans un exercice télévisuel ou radiophonique. C'est le reproche qu'on peut lui faire Tarek Obrou, c'est de s'exprimer de ne pas choisir la manière de s'exprimer suivant les interlocuteurs qu'il a en face de lui. C'est un petit peu l'erreur qu'il commet. Tout à fait, on s'adresse pas sur RMC Info au public d'RMC Info comme on s'adresse à un moment donné au public de France Culture. Ou quand on a une demi-heure de temps devant TDI, on s'exprime pas de la même manière que quand on est dans une petite interview de Bourdin le matin où on a un petit espace et on doit répondre aux questions, je veux dire donc l'exercice télévisuel ou radiophonique n'est pas le même et j'ai envie de dire le public n'est pas le même aussi. Après ce qu'il dit ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait déclaré Chevènement sur la discrétion en fait des musulmans à un moment donné, une sorte d'injonction en fait aux musulmans à être discrets. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu passé le mot, mais pour autant voilà, je pense que il a toute sa place dans le débat. Tarek Obrou apporte vraiment dit des choses qui peuvent être très très intéressantes et qu'à un moment donné, dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, il ne faut pas le balayer d'un revers de main ou le mettre sur le banc de touche. Et il a des choses intéressantes à dire et c'est à nous de l'écouter et de partager ou non ce qu'il a à nous dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, parce qu'à force d'exclure et dire, parce qu'aujourd'hui on est dans une, c'est un peu, vous savez, comme les nationalistes, les Français, tout ça. Dès lors que tu n'aimes pas la France, son histoire, le patriotisme, et que t'es pas patriote jusqu'au bout des dents, eh ben t'es un mauvais patriote. Eh ben c'est pareil chez les musulmans. J'ai l'impression que dès lors qu'à un moment donné tu te dis voilà, moi je suis pas aussi aussi tranchant, aussi affirmatif, aussi voilà, affirmatif, tout ça dans la pratique de la religieuse, dans la compréhension des textes, dans ci, dans ça. À un moment donné, qu'il faut peut-être contextualiser les textes. C'est ça. Et non, il faut. T'es un mauvais musulman et il faut absolument. Voilà, c'est une sorte de degré en fait. Où on a l'impression que dès lors qu'on rentre pas dans une case, et ben on devient très vite. C'est soit noir, soit blanc. Tu vois, voilà, Tarek Ramadan avait fait une réflexion parce que j'avais assisté à un séminaire où les deux étaient, enfin Tarek Obrou n'était pas présent l'année dernière en septembre, mais Tarek Ramadan était là, mais Tarek Obrou donc était intervenu sur un séminaire justement sur les assises de la d'une réflexion sur l'enseignement de la théologie islamique et donc en fait Tarek Obrou souvent va de la remarque de Tarek Ramadan, c'était qu'il pose de bonnes questions mais des fois, les réponses, on n'est pas forcément tout le temps d'accord avec. Et je rejoins là-dessus. Mais en même temps, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est important qu'on puisse débattre. Il a des choses à apporter. Maintenant, dans le fond, il y a des choses avec lesquelles on pourra diverger. Mais le plus important, c'est d'apprendre à s'écouter, échanger. Et on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Exactement. Voilà. Et je vais juste finir sur, en tout cas sur ce sujet, pour dire que on est bien d'accord, on est bien, je veux dire, heureux, nous, ravis, français musulmans, d'entendre qu'il y avait à un moment donné des philosophes éclairés, des gens à un moment donné qui ont fait peut-être bouger les lignes, comme Averroès, comme on est heureux de les citer ces personnes-là qui datent d'une autre époque, d'un autre siècle, mais ces gens-là, les Averroès et tous les philosophes musulmans, à leur époque, ils étaient aussi décriés. Quand ils voulaient à un moment donné discuter, apporter quelque chose ou une autre compréhension des... Et à un moment donné, ces gens-là aussi, dont on est ravis aujourd'hui et dont on se gargarise, eh ben, ils étaient aussi à un moment donné très très critiqués. Donc il faut aussi faire attention à la manière dont on,
dont on reçoit un message et dont on respecte celui qui le dit. Ouais, ton analyse est vraiment pertinente et merci. Samir, est-ce que je n'ai pas envie de te faire offense, mais malheureusement le temps qui passe, oui, passe très très vite. Très court. Alors juste pour en fait le débat américain, moi j'ai commencé à regarder, bon ouais. Voilà, ça volait pas très très haut. Moi mon avis c'est que Trump est dangereux pour les États-Unis. Hillary Clinton est dangereuse pour le monde. Et comme je me moque un c'est petit pas peu mal, des États-Unis, c'est pas mal, bien joué. Et comme je me moque un petit peu des États-Unis et de la manière dont ils peuvent gérer leur pays à l'interne, je veux dire, chaque pays est souverain, chaque pays fait ce qu'il veut à l'intérieur de ses frontières. Ouais. On n'a pas de leçons à leur donner. Et ben moi, je suis plus attaché en fait à la paix mondiale et à ce qui pourrait des deux représenter une menace pour le monde. Et alors aujourd'hui, le colistier qu'a nommé Hillary Clinton veut faire la guerre à l'Iran, veut faire la guerre à la Russie, c'est des va-t-en-guerre. Donc Hillary Clinton est pour moi plus dangereuse dans le monde qu'un Trump qui... Alors petite info par rapport à ça, ouais. Tu sais que Netanyahu est parti aux États-Unis, a rencontré les deux prétendants à l'élection, les deux candidats en l'occurrence, ouais. Et il a obtenu de Trump qui a dit « Je promets si je suis élu que je reconnaîtrai Jérusalem comme capitale d'Israël. » Voilà, donc il a bien fait le boulot à Netanyahu. Il est parti en service VIP là. Bon, en même temps, tous les deux, je pense que Hillary ou Trump, de ce côté-là... De ce côté-là, voilà. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Absolument. Il y a un formidable lobby là-bas qui s'appelle l'EPAC, ouais. Et qui à un moment donné est tellement puissant, mais tellement puissant que je crois que Trump est obligé, je veux dire, c'est impossible de contester Israël. C'est impossible, j'ai envie de dire. C'est le lobby est tellement fort, tellement implanté, qu'il est impossible pour un politique, qui quel qu'il soit, de s'opposer en fait à une ligne anti-israélienne ou il avait décidé en plus de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Mais pour autant, en tout cas, il est moins dangereux que Clinton qui veut faire la guerre à l'Iran, à la Russie, un peu à tout le monde. Trump, avec la Russie, c'est des liens déjà un peu plus Samir, merci mon ami Samir, à bientôt. Merci à toi. À bientôt, ciao, ciao. Il faut qu'on avance. Bah oui, le temps passe vite. Quand on est bien accompagné, quand on soulève des vrais débats et quand on pose des réflexions et des pistes, eh bien, ça prend du temps, mais on a tout le temps d'avoir le temps de prendre le temps d'en parler quotidiennement dans cette émission. On ne lâche rien, bien sûr. On continue de rester vigilant et surtout de continuer de proposer parce que on est là à constater, à gueuler. Mais il faut peut-être passer à une étape supérieure, si ce n'est de proposer. Maintenant, agissons. Soyons là, sur le terrain de l'action, c'est important. Et on a tous ce devoir. N'importe quel citoyen peut le faire au travers des réseaux sociaux, au travers de plein de d'exercices qui sont à notre disposition. Donc maintenant, on ne peut plus dire « je ne peux rien faire à mon niveau ». Non, chacun, chacune, personne peut évidemment émerger et surtout agir. Allez, on passe au coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le coup de cœur de Samira Karouan. De quoi vas-tu nous parler, Samira ? Alors, le coup de cœur d'aujourd'hui, je pense qu'il est au cœur de nombreux cœurs, sans vouloir faire des jeux de mots, mais dans le cœur de nombreuses personnes qui le reconnaîtront. Donc c'est un coup de cœur pour notre prophète Mohammed, alayhi salat wa salam, le prophète de l'islam, et au travers en fait de deux écrits très courts que je vais vous lire et que je vous propose aujourd'hui. D'abord, le témoignage du célèbre dramaturge et critique irlandais George Bernard Shaw, qui a été prix Nobel de la littérature en 1925. Je voulais mieux connaître la vie de celui qui, aujourd'hui, détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Et dans la foulée, je continue avec ce très beau texte également de Lamartine qui a été écrit bien avant, en 1854, sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Jamais un homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur. Rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie.
Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de deux siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les trois Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. C'est la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme. Qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres, et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Voilà, et j'invite nos auditeurs et auditrices à lire tranquillement également le troisième texte que je ne lirai pas ici, mais que je vous propose vraiment de découvrir, le poème de Victor Hugo, une très grande figure littéraire. Donc le texte s'appelle « L'an neuf de l'Égir », écrit le 15 janvier 1858, et qui est absolument formidable et très émouvant. Merci. Merci Samira, toi pour ce coup de cœur, donc aujourd'hui, très apaisant, c'est bien. Après, avoir remué un peu, tu vois, tout. C'est ça. En tout cas, très apaisant. Ça fait du bien. Donc, le coup de cœur de Samira Karouan qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 en ce mardi 27 septembre. On va terminer, si tu le veux bien, ma chère Samira, oui, avec le fameux j'aime ou j'aime pas. On part du principe, un peu comme les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'en passe, bien sûr. On a notre fil d'actualité, et on y regarde eh bien toute cette actualité. Puis on clique parfois sur j'aime, ou on a avancé aussi un petit truc, c'est le j'aime pas, et aussi le je m'en fous. Allez, c'est parti. Alors, ma chère Samira, je te donne une petite série d'informations. À toi de me dire si t'aimes, t'aimes pas ou tu t'en fous. Allemagne, on est à Cologne. L'Allemagne se met aux couleurs de la Tunisie, puisqu'en effet, la quatrième ville d'Allemagne, Cologne donc, a accueilli les 23 et 22 septembre dernier le festival de la gastronomie tunisienne. J'aime ou j'aime pas. J'aime bien, j'aime les échanges, donc j'aime bien. Une célèbre arche de roche naturelle s'est écroulée au Maroc, dans la ville de Lexira. Une célèbre arche naturelle, tu dis ? Ouais. Arche de roche naturelle qui s'est écroulée. Bon. C'est une photo d'ailleurs, enfin c'est un décor qui apparaît sur toutes les photos pour vanter les mérites du Maroc. Hein. D'accord, bah c'est un peu triste, j'ai envie de dire. J'aime pas, mais bon, après c'est la nature quoi, après. Facebook accusé de fermer des pages et des critiques, en tout cas des pages et des comptes, pardon, critiquant Israël. C'est la chaîne Al Jazeera qui rapporte ceci. Cela fait suite apparemment à un accord qui est devenu même officiel, conclu entre Israël et le réseau social Facebook. Bon bah écoute, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à développer un réseau alternatif, parce que s'ils ont vendu leur intégrité pour des dollars, ben j'ai envie de dire on pourra se débrouiller autrement. Donc j'aime pas, voilà. Petite sortie de Guy Bedos, l'humoriste français qui déclare: François Hollande nous a tous cocufiés, nous sommes tous des Valérie Trierweiler. Non, pas concerné. T'en fous ? Ouais, enfin. D'accord. Pas concerné. Et puis enfin, lancement réussi de 3 satellites algériens depuis l'Inde. Redis ? Lancement de 3 satellites algériens, et ils ont été lancés en Inde. Ah,
bah, j'aime bien. Et moi qui est algérienne, c'est pas moi qui vais te dire. C'est jusqu'au bout des veines. Ah, oui, oui. Oui, oui, toujours. Enfin, oui, le Maghreb et tout. Enfin, bon, après, tu vois, il y a un attachement. Mais bien sûr, pas d'opposition, juste dans le partage. Toujours dans le partage. Toujours, évidemment. Eh bien, merci beaucoup, Samira. Merci. D'être passé merci par l'exercice France Maghreb 2. À très vite. Probablement la semaine prochaine. Certainement. Avec merci. Les membres de l'équipe que tu vas apprendre à connaître et avec qui tu vas débattre et les auditeurs dans cette émission qui est une émission d'échange au quotidien. Merci beaucoup Samira Karoua, à très vite. Merci, à très vite, au revoir. Dans un instant, vous allez retrouver après les infos l'ami Amar pour ses citations qu'il va nous proposer aujourd'hui. De sport, nous parlerons avec de foot avec Ralph Bécheli et de télé pour les programmes de ce soir. Ce sera évidemment Jérémy qui sera aux commandes de tout cela tout à l'heure. Merci d'être avec nous et un bon début de soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2 et de votre émission où on ne lâche rien, vous l'avez compris, le Grand Forum.